beaucoup jouent de leur vie. Beaucoup pensent que le Seigneur nous a créés pour adorer l'argent, pour adorer les choses de la terre. Mais le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour adorer son nom, sur sa parole, marcher dans l'honnêteté. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur veut que les pécheurs soient sauvés. C'est pas un pécheur. C'est quelqu'un qui fait partie. C'est pas un pécheur. C'est un alcoolique. C'est pas un pécheur. Quelqu'un qui prend du poisson commun. Hein? Pas dit que les fesses à tout caca. Pas pour coucher, mais. Et les gazons. Même ces chiens n'ont pas fait ça. Les humains sont plus que les chiens. Ils ont un comportement bestial. Hein? Un peuple qui s'introduit, un peuple qui se fait la guerre, un peuple raciste. La Bible est vraie. La Bible dit qu'à la fin des temps, que le péché allait augmenter. Le péché. Guadeloupéen, Guadeloupéenne, il est temps de revenir à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Tu as besoin de lui. Nous sommes au temps de la fin, mes amis. Jésus-Christ revient. Il est à la porte. Regardez comment le monde va mal. Comment les nations vont mal, mes amis. La terre va mal. Les nations sont vautrées dans le péché. Le péché, mes amis. Il est temps de changer de vie. Jusqu'à quand vas-tu continuer ta vie de péché? Il est temps de mettre sa vie en règle devant Dieu. Car Jésus-Christ revient. Jésus-Christ t'aime. Et il veut te sauver. Mais malheureusement, les hommes ne veulent pas de Dieu. Les hommes préfèrent le mal. Les hommes préfèrent le péché. Quand tu leur parles de Jésus, ils s'énervent. Mais quand tu leur parles des choses du péché, ils sont contents. Voilà l'homme. L'homme aime le mal. Jésus-Christ revient, Guadeloupe. C'est le temps de te préparer à sa rencontre. Et de toi-même, tu ne peux être sauvé. De tes propres actions, tu ne peux être sauvé. Tu as besoin de ton Créateur pour être délivré du péché, de la sorcellerie. Alors sorcier de tous côtés à présent. Nous n'aimons ça. Le même la violence, le même braquage, le même zouk, le même tout à fait. Mais il n'a pas aimé mon Dieu, mes amis. Parce qu'il a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Très peu le font. Très peu. Il a aimé sa maquillage. Maquillage. Le gars sorti comme ça là. Fesse tout ni. Tête dehors. Mes amis. Et puis papa et maman à côté. Mais c'est sa famille. Il va dire qu'il a pas niché, mes amis. Repentez-vous les antilles. Sous grâce et sans médicaments, nous dit. Ni médicaments, le sexe. Le péché. Alors qu'on nous paye ta mort, le cas est l'enfer. Le cas est brûlé l'enfer et diable. Quand tu es le péché, quand tu es montré frère Sardin là, tout frère Sardin, qu'on carénage. Hein? Ce qu'on prend, tu es. Oh papa, oh maman, la jeunesse. Papa, on divorce. Maman, on divorce. Tu abandonnes la rue là. Ou prends la rue là-bas. Le sexe. Il est à peu près ça. Comme il a dit, à lui, calache. Tout le monde fait l'os. L'os, il est à peu près ça, mes amis. Le péché. Et vous sortez du péché, mon Sortez. Toi, homme. Habille-toi aussi décemment. On n'a pas besoin de voir ton caleçon, la couleur de ton caleçon. On n'a pas besoin de voir s'il y a des dessins dessus, si c'est rouge, si c'est vert. On n'a pas besoin de voir. On voit des ceintures. Si tu n'as pas d'argent, on peut t'en donner pour aller acheter une ceinture. Habille-toi confortablement. Toujours en train d'afficher aussi. Si c'est en Guadeloupe, tous présents. Les jeunes filles sont mal habillées. Quelle éducation, mes amis. Les parents donnent des mauvaises éducations.
car eux-mêmes, mes amis, sont dans le péché, mes amis. Le papa lui-même, il se masturbe. Quelle éducation va donner à ses enfants? Les femmes, mal habillées, trompent leur mari. Les maris trompent leur femme. Voilà l'état du monde. Voilà l'état du monde. Et quand tu pointes du doigt leur péché, ils se fâchent. On ne peut pas me juger. Mes amis, vaut mieux que ce soit un homme qui te juge, que tu meurs et que tu sois jugé directement par Dieu. Car Dieu est le mal, mes amis. Dieu a horreur du péché. Mais il aime le pécheur. Voilà pourquoi nous t'annonçons cette bonne nouvelle. La nouvelle du royaume, mes amis. Le royaume de Dieu. Jésus-Christ, mes amis. Il est sans péché, mes amis. Et il est mort à la croix pour que tu abandonnes ta vie. Il est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Ne méprise pas cette parole, mes amis. Mets ta vie en règle. Jésus-Christ revient et il est à la porte. Faut arrêter avec le péché. Il faut arrêter avec le péché. Soyons pas du à l'église quand tu lis. Tu pas tes sables. Tu pas tes sables. Va mon Dieu vieux. Va mon Dieu vieux à d'autres. Mais ça, j'en ai dérangé, oui. Mais si t'es un bouillon, t'as pas été dérangé, les autres. Dans tes cas, dans ce site. Hein? C'est ça, son levé. Puis t'es qu'à chatouiller, son levé, les autres. Eh ben non, ma part, tu vas arrêter avec bouillon. Arrêtez avec ton sol. Arrêtez ça. T'as pas qu'à finir de mon Dieu. Où est-ce qu'il y a d'autres? Moi, je vais vous dire où est-ce qu'il y a d'autres. Si c'est un autre qui est là. Si vous avez écouté ça, même les autres, même pas, même pas comprendre ce qu'il y a dit, j'étais là. Je ne peux pas comprendre. Ils ont attendu droit, ils ont attendu une cigarette. Hein? Ils ont pas tué pour les autres. On te dit, aucun meurtrier ne rentrera dans son royaume. Mais là, on va finir. Là, on va droguer. Tuer, on va tuer là-bas, tu veux. Vous savez ce que c'est qui va en passer? C'est ça, j'ai aimé. Ma mère, j'ai pas pris les poids comme un gay, fumez-tu. J'ai pas eu comme un photo, ma zote. Mais j'ai adoré, j'ai addict. Addiction à l'alcool, addiction à cigarette, addiction à drogue, addiction à sexe. Mais qu'est-ce que tu as bien à faire? Zep. Souké, fesse d'erreur. Son con carénage. Hein? Le carissa, oui, toujours. Oui, toujours. Après la vie, il y a la mort. Et Jésus veut sauver ton âme. Le Seigneur veut sauver ton âme. Sauve la filiation. La filiation, c'est le péché. Tu as fait ta bouche pour parler, pour prier. Sortez de la maturation. Arrêtez son obus. Fais ça, c'est pour caca. Caca. Le jugement de Jésus arrive. Un peuple courait. Mais pour ça nous a crié. Pourquoi je crie? Parce que Kéazot a dans le péché. Un peuple mal parlant. Un peuple qui est mérite. Parole pourrie. Un peuple derrière. Zéro diplôme. Zéro entreprise. Arabia Kavini, entreprise. Haïtien là, Zobamé là, entreprise. Chinois là, entreprise. Et ça, on peut. Excusez-moi. Un petit carnaval, lui, amis. Carnaval. Tout l'idée là. Fais des rois. Massa. Mille états à la jeunesse. Zobamé, bon Dieu, fermez tout le temps. Zobamé, bon Dieu, fermez bois de nuit. Zobamé, bon Dieu, fermez carnaval. Réveille-toi, peu, bon Dieu. Sors du mal. Car le mal est entré dans le monde à cause de Adam et Ève. Et Jésus est venu il y a 2000 ans. Bon Dieu vient sur la terre pour montrer aux autres un exemple. Un exemple à pardon. Un exemple à humilité. Quel est ta zone? Hein? L'orgueil. Une génération orgueilleuse. Il est doux pour ça qu'il s'est seul sauvé. Et que nous, à la fin des temps, c'est pour ça, mon Dieu, qui a permis de nous parler comme ça.
Parce que bon Dieu aimait, il aimait Timouni. Il aimait Timounaï. C'est lui qui crée l'être humain. Mais l'être humain détourne quoi? Il détourne quoi? Il s'est sauvé. Jésus. Pas quoi qu'on a vu comme ça et puis qu'on est mort comme ça. Tout le monde ici dans la vie. Ça, c'est pas M. Peugeot qui fait. Hein? C'est pas M. Ronan qui fait. Hein? C'est pas Opel qui crée. Hein? On est un créateur. Mais pour qui ça va, Dieu qui m'a donné compte. Pour vivre la sang qui amène là. Car nous sommes nous dans les derniers temps. Mes amis, c'est le temps de faire la paix avec son créateur. Cher être humain, que tu sois blanc, noir, riche, que tu sois chinois, mon ami, tu passeras devant la mort. Aujourd'hui même, tu peux mourir. Aujourd'hui même, ça peut être ton dernier jour aujourd'hui. Où iras-tu après la mort? Pose-toi cette question. Car on ne sait pas quel jour on meurt. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas passer devant le tribunal de Dieu, mes amis. Et tu vas rendre des comptes de toute la vie que tu as menée sur cette terre. Si tu as mené une vie de péché, eh bien, tu iras en enfer. En enfer, mes amis. En enfer, c'est la souffrance. Quand tu rentres en enfer, tu ne rentres plus, mes amis. En enfer, mes amis, c'est la souffrance éternelle. La souffrance éternelle en enfer. Rigole. Oh, c'est ma vie. Continue. Continue. Oh, c'est ma vie, je suis jeune. Continue ta vie de péché. Le jour où tu vas mourir. Le jour où tu vas mourir. Tu vas comprendre que cette vie-là que tu menais là t'emmène en enfer. Change de vie. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ, il est magnifique. On est jeune, hein, mais on est amoureux de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a changé notre vie. Jésus, il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Je suis jeune. J'étais dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Zouk, zouk, zouk. Le péché, mes amis. Masturbation sur masturbation. Fornication sur fornication. Mais le jour où j'ai goûté à l'amour de Jésus, magnifique. Il m'a guéri de toutes les blessures que j'avais dans ma jeunesse. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de la fornication. Il m'a délivré du péché. Et aujourd'hui, je ne pratique plus le mal. Aujourd'hui, je m'efforce à vivre une vie de sainteté, mes amis. Parce que Jésus-Christ m'a communiqué sa sainteté. On ne peut pas dire croire en Dieu et continuer à vivre dans le péché. Il y a un problème. On est à la fin d'une jeunesse violente. Hein? J'irai. Demain, où y'a tes repentis, où y'a repentis qu'on a. Parce que je l'ai autant de paroles là. Et pas crier pour dire demain. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, hypocrite. Mille et tas autres. Hein, ok, pas là, pays là, ça, mes amis. Repentis. En jeunesse, qui pas qu'à respecter grand monde. Mille et tas la jeunesse. Mille et tas peuple là, ça, mes amis. Repentez-vous du péché, la fellation, arrêtez d'abuser la jeunesse. Repentez-vous du péché, sans du péché. Attention mon ami, le Seigneur t'a donné un temps de vie sur la terre. Pas jouer vie à ça, parce que demain c'est pleurer. Demain c'est pleurer, il faut parler en notre manière par moi. On pas amis l'école là, on va parler en notre manière par moi. On pas amis l'école à ça. Repentez-vous. Des péchants qu'on fait vivre là. Sortez du péché. Guadeloupéen, sortez en péché là. Sortez en péché là, Guadeloupéen. C'est blanc, hommes là. Sortez à temps. Et quel est ta pays là, ça, mes amis? En jeunesse, avec le sexe. En jeunesse, sans papa, sans maman. Oh papa. Oh maman. Eh bien, maman, ils ne sont pas mariés. Papa et maman ne sont pas mariés. Oh papa, divorcé. Papa est passé avec les femmes. Et puis ma mère, je l'ai su à la maison. Et à qui parler, papa, pas moi. Donc, qui donne la vérité, peuple, là, ça. Donc, qui donne. Quittez le carnaval. Quittez le zouk. Je vais zouker. Je vais zouker. Je vais zouker. Le zouk. Le zouk. Le sexe. L'homme qui est mort, on a été repenti. Parce que
Diablaka tant que tu fais là. Diablaka tant que tu fais là. Mais pour ça, on l'enjeune jeune qu'à mort. Et je ne comprends pas pourquoi. Pas, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait le jeune? Mais je vais jurer mon. Je vais faire mon mal. Qui chose veut vivre longtemps sur la terre? Mais la jeunesse, mais l'étape est place à mes amis. Repentisons, aille travailler l'école. Tout personne travaille demain. Aide, à l'école pour que l'on travaille. Mais l'état à jeunesse. Aniati, au calache, au le rap, au le bouillon. Continuez comme ça la jeunesse. On en fait au taille. Mais l'état peut place ça. En quel parler? En quel parler? Si c'était Leslie, ce n'est pas des dimanches. Si c'était Lil Nas, ce n'est pas des dimanches. Ce n'est pas continue encore. Continue. Maintenant, en fait, c'est la vérité. Ça t'a fermé là. Et ça t'a fermé là. Après, ce cas, tu vas te connaître ton pied. Hein? Tu vas te connaître ton pied. Où c'était? Est-ce que c'était? Mon Dieu, quand est-ce qu'on a péché là? Mon Dieu parle sur arrêter. Il parle du stop. Il parle des livres. Il parle des livres. Jésus t'aime. Jésus t'aime beaucoup. Quand t'es juste pas qu'à sauver. Jésus aime où? Marie pas qu'à sauver. Chaplin pas qu'à sauver. Jésus aime où? Et il va vivre bientôt, il va ouvrir bientôt. De vie le royaume pour que tu haches, que tu arraches et que tu abattes, pour que tu réunisses et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée ensuite en ces mots. Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur mes paroles pour l'exécuter. Waouh, tu es man, c'est fort, hein? Il parle, il a créé la bouche, il a parlé. Il veut parler à travers toi au niveau des jeunes, pour arracher, casser, tout ça n'est pas bon vie à eux. Pour planter quoi? L'amour, la vérité, tu vois. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et quand on arrivait là, le Seigneur te connaissait déjà là, du monde de ta maman. Tu sais que tu as dit, je t'ai appelé, je t'ai appelé. T'as vu? Le Seigneur lui a dit, je t'ai appelé. Je t'ai appelé, je t'ai appelé. Bon, tu es mal ou précieux, Timal. Timal. Voilà pourquoi il permet que des gens comme nous, nous puissions parler de ces choses. Car il nous a sorti du péché, Guadeloupe. Où il y a un créateur qui est mort, mais qui a joué puis l'amour à ça. Ou qui a joué puis l'amour créateur. Et vous comprenez qu'on est allé au ciel comme ça? Vous comprenez qu'on est allé au ciel? Non, mon ami, il faut craindre ce créateur qui nous aime. Pour lui partir, il y a des affaires. Sorcier. Et puis, il m'a dit l'église le dimanche. Mon ami, ils sont morts dans ça. C'est l'enfer qui attend nous. Mais pour qu'il s'abonne, Dieu a crié à la repentance pour être sauvé. Vous pays, disons pas que ça. Arrêtez avec marabout, arrêtez avec sorcellerie, arrêtez l'incantation, arrêtez la jalousie, arrêtez querelle. Arrêtez ça. Vous jalouse frère, vous jalousez, vous jalouse en mien, vous pas tuer en mien parce qu'il y a un chien en or. Vous n'avez pas réfléchi. C'est ça qui est à vous. Via côté qui drogue, via côté qui alcool, hein, en tchad. Hein, c'est sa vie azote. C'est sa vie azote. Fumer. On fume pas, fume. Fais attention pour la fumer, elle n'a pas fumé aussi. Vous avez vu Saint-Vincent? La souffrière de Saint-Vincent? Elle est déjà en train de gronder.
en Guadeloupe, il y a aussi la soufrière. Oui. Et on sait ce que ça a fait dans les années 70, quand la soufrière a dégagé de la cendre. Est-ce que vous vous rappelez? Il y en a beaucoup qui sont sortis de la bastère, qui sont arrivés en Grande-Terre. Et ils ont été traumatisés. Ils ne sont plus retournés en bastère à cause de la cendre. Elle n'avait même pas explosé. Si tu meurs là, où ira ton âme? Est-ce que tu sais où ira ton âme? Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Que tu lui obéisses, que tu obéisses à ses commandements. Que tu t'éloignes du péché. Que tu arrêtes avec la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles en mariage. Que tu arrêtes avec l'adultère. Que tu arrêtes avec les moqueries. Que tu arrêtes avec les murmures. Le jugement du Seigneur sera terrible. Le jugement de Jésus sera terrible, mes amis. Il te reste combien de temps pour vivre? Combien de temps qu'à manquer pour vivre? Hein? Repentez-vous du péché. Arrêtez de jouer frère. Arrêtez ces blagues. Parce que le Seigneur t'appelle. AIP, AIP c'est quoi? Retour impossible au pays. L'envoi mon nom, j'en ai qui est AIP. AIP, il est mort voleur. AIP, AIP, ce n'est pas moto. Sont malades, comme ils sont malades. Allez dans le pays là, ça mes amis. Alors comment droguer? Ou comment paradis? Ou comment voler? Ou comment paradis? Lorsque quelqu'un meurt, il est seul devant le Seigneur. Un jour, notre âme sera seule devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ton âme? Que dire à ton âme? Beaucoup ont dit par exemple le samedi. Le samedi c'est le jour de Shabbat, le jour de repos. Mon ami, à quoi bon? Aille te reposer physiquement. Et ton âme, ton cœur, ton filet n'a pas été nettoyé. Ton cœur n'a pas été nettoyé. Tout ça, c'est en vain. Pourquoi? Parce que celui qui a la crainte des hommes, celui qui a la crainte des religions, il est dans le piège. La crainte des hommes est un piège. Mais le Seigneur cherche de ceux qui obéissent à sa parole, à ce commandement. Voilà le salut. Si quelqu'un croit en lui, il ne verra jamais la mort. Les êtres humains sont égarés. Les Guadeloupéens sont égarés, mes amis. Le bitin, fumé, moto, l'auto, quand on caille ça, mes amis. Où iras-tu avec ces choses? Devant la mort, mon ami. La Bible dit qu'il y a deux lieux. Pas ni purgatoire, mon ami. C'est soit l'enfer pour l'éternité, ou soit le paradis. Et la Bible dit qu'aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. Toi qui vas aller au ciel. Mais ta vie en règle, parce qu'il te reste peu de temps. La parole sera là au dernier jour pour nous condamner, parce que le jour du Seigneur, toute bouche sera fermée. Mes amis, le mystère, l'Église est sur le point, le Seigneur est sur le point de fermer la porte. Le Seigneur est sur le point de fermer la porte. Il insiste, y a-t-il quelqu'un, une âme ce jour qui entend? Qui entend le son qui se fait, le Seigneur te prend la main de miséricorde pour te dire sans quoi de cette génération perverse et corrompue, parce qu'il se nous voit peu de l'avenir, il voit plus, il revient à grande vitesse. La vie que tu mènes en ce moment, tu sens bien que c'est pas une vie que tu aurais souhaité mener parce que tu en as marre. Le Seigneur te parle en ce matin, il te dit qu'il est là. Tu n'as juste qu'à lui parler et lui dire au Seigneur, je veux te recevoir. Je veux te recevoir comme maître Seigneur Sauveur dans ma vie. Tu n'as juste qu'à ça à dire, que cela à dire. Tu peux juste lui parler et il répond. Il est celui qui répond. Le Seigneur t'aime. Mon Dieu, il revient Jésus. Il revient le Seigneur. C'est le temps de faire la paix, c'est mal. Fais la paix, mon Dieu. Parce qu'il veut sauver Amaou. Jésus s'appelle. Sortez les églises catholiques. Mon Dieu, pas jamais créé la messe. Mon Dieu, quand tu as parole là, quand on voit les images d'ailleurs, à 15 ans, c'est la Vierge Marie. À 15 ans, c'est les fatigues.
Bon Dieu m'a de prier statut. Oh là, bon Dieu m'a de faut vivre catholique. Oh, ça m'a quand même là. Bébé a battu ma demoi. On dit t'as bien mangé ou ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? On bébé a deux mois et baptisé. Ce n'est pas vous posséder, mes amis. Alors que Jésus, c'est baptisé à quel âge? Qui m'a dit ça? Jésus s'est baptisé à 30 ans, mes amis. Ah oui. Pourquoi? La raison. Le choix. Mais même en étant catholique, catéchiste, je me dois prier statut. Quand statut n'a pas. Il ne parle pas de statut là. Jésus est un relation personnel entre lui et vous. Vous ne pouvez pas me dire pasteur. Vous ne pouvez pas me dire prêtre. Vous ne pouvez pas me dire l'abbé. C'est mon Dieu, vous ne pouvez pas me dire la Vierge Marie. Il va dire Jean-Paul parce qu'il est une question après. Et la Vierge Marie, il mort. Marie mort. Et mon Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Mon Dieu, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Il attend. Il a. Il a veillé. Il a vrai. L'homme a péché aussi. Il a vrai. Tous les dimanches sur la messe, l'homme a senti. Fais ça en dehors. L'homme a senti la messe. A tu paix. L'homme a senti de la messe. Vogla, Zebla. Mille étapes place à mes amis. Où est pas le monde? Et là, donc, les morts dans le péché, c'est l'enfer. Mais Jésus veut vous sauver. Ah oui, il veut sauver Amal. En tout cas, oui, madame, avant. En tout cas, nous, l'autre. En tout cas, si mes aides, on t'a aidé aussi. Mais Jésus-Christ, vous plaisir à moi. En maillot, en étimon, en travail. Pourquoi? Jésus. Quand tu as rencontré Jésus, il te délivre du péché. Il te donne le dégoût du mal, le dégoût du péché. Et Jésus-Christ m'a dégoûté de ce monde. Quand je vois ce monde, mais je suis pressé d'aller au ciel. Quand je vois ce monde, je suis pressé de partir. Parce que je sais que Dieu m'a préparé une place là-haut. Une place de paix. Là-bas, c'est la paix qui règne. Il n'y a plus de souffrance. Là-bas, c'est le repos, mes amis. Si tu veux bénéficier de ce repos, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ veut guérir ton cœur. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ton histoire. Viens à lui. Donne-nous ta vie. Tu ne seras pas déçu. Jésus, il donne la paix. Il donne le bonheur, il donne la joie. Pourquoi tu fumes? Tous les jours tu fumes. Tous les jours bois de nuit. Tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le véritable bonheur. Tu n'as pas la véritable joie. Voilà pourquoi tu vas te faire en femme. Ce n'est pas une femme qui va te donner le véritable amour. Ce n'est pas un homme qui va te donner le véritable amour. Mais c'est l'amour de Dieu qui comble un cœur. Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, il te donne cet amour, cette paix, où tu es dans la joie, dans l'assurance. Jésus, il est magnifique. Le Seigneur t'appelle à devenir sa fille, son fils. Pourquoi? Il veut que tu montes au ciel après la mort. La mort? La mort existe où? Qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça? La mort qui existait. Et là, voit une mort. A deux péchés, aïe. Il ne peut pas monter au ciel là, mes amis. Écoutez bien, le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est faire les choses contraires à la Bible. Et malheureusement, en Guadeloupe, Ils n'ont pas lu la Bible. Mais pour ça, ils ont tout lu. Mais pour ça, ils n'ont pas divorcé. Mais pour ça, tu m'as dit que tu es là. Quand tu dis, oui, je connais Jésus, je le vis. Mais quand tu as une cigarette dans ta bouche, tu es en train de vivre Jésus? Parce que tu es en train de détruire ton corps. Est-ce que tu vis Jésus à ce moment-là? Quand tu prends ta femme, est-ce que tu vis Jésus? Et tu dis connaître Jésus. Quand tu prends ton mari, est-ce que tu vis Jésus alors que tu dis vivre Jésus? Il faut savoir qu'il est notre sauveur. Il est le seul que tu dois prier.
Tu ne dois pas prier Marie. Tu ne dois pas prier les anges et tous les saints. Saint-Antoine, quand tu oublies quelque chose, ah oui, Saint-Antoine, on en mettait ça, etc. Saint-Antoine va faire quoi pour toi? Il est mort à la croix pour toi, Saint-Antoine? Elle a dit ça. Qui est mort à la croix pour toi? Il va falloir que tu commences à te poser les bonnes questions. Guadoupé, mon ami, on est un créateur qui a gardé, hein? Tous les jours, on est un créateur qui a permis tout de vivre. Et vous comprenez, via ce temps, ou qu'à danser Zouka, ou qu'à goûter la gabo final, ou qu'à goûter Trapao. Mais quand on caille tout dans la mort, mais c'est ça pour songer. Parce que nous sommes à la fin. Et Jésus a crié un cri bas. Parce que quand pleuré bas, à Citronaï, au ciel, il a regardé Viao qui a pleuré. Regardez Viao qui a pleuré. Envie à délinquance. Envie à voyou. Envie, mes amis, hein? À sexe, à drogue, à cigarette. Mon ami, vous comprenez Life où c'est tao? Vous comprenez via c'est tao? Une génération aveugle. Aveugle. Aveuglé par le mal. Aveuglé par la séduction. Aveuglé par le sexe. Aveuglé par le monde. Aveuglé par l'argent. Aveuglé par la pornographie. Mais il est tapé par nous, mes amis. On peut au chômage. On peut dehors. Quel est ta voix, nous, mes amis? Fermez-vous. Tout ça diable, quand on veut qu'on abreille. Faut qu'on mange. C'est le péché de la pandémie véritable. Et je n'ai pas payé. Je vais mettre masse. Mais la péché qui a vint, je n'ai pas payé. Je vais mettre masse. Mais où est-ce que tu peux? Où est-ce que fornique? Où est-ce que violé? Venez à Jésus. Et vous aurez la guérison. Si la corruption se repart, vous aurez la guérison de vos cœurs. Ton âme sera guérie par Jésus. Restaurez la jeunesse. Quittez les boîtes de nuit. Quittez le cesse. Accepte Jésus dans ton cœur. Ne suis pas les stars. Tous les stars ont fait des pactes avec le diable, ils le disent, hein? L'île Nas, diable. Tous les stars, ils ont dit qu'ils ont fait des pâtes de diable là. Et la jeunesse, ils ont pris la musique à eux. Ils ont pris le boulot à eux. Ils ont pris le souk là. Ils ont pris le péché, mes amis. Qui j'en vais au paradis comme ça? Parce que c'est le péché. Le péché nous suit. Le péché nous vole. Vois nos yeux. Jeune cœur, jeune fille, confessez ta péché. Va au Seigneur, confessez ta péché. Et te laisse sortir dans la miséricorde. À tous ceux qui ont cru à le Seigneur, qui croient au Seigneur, va, le Seigneur leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, on même est enfant de Dieu. C'est là la tromperie. L'ennemi est en train de tromper beaucoup. Beaucoup croient que lorsqu'ils sont nés, ils sont nés enfants de Dieu. C'est faux, chers amis. Comme ce chant qui dit, on ira tous au paradis. C'est faux, chers amis. Le Seigneur dit, ne vous laissez pas égarer par vos prophètes, par vos devins. Beaucoup se sont laissés égarer par leurs grandes affaires. Par l'homme, maximataire, beaucoup sont égarés, beaucoup dans les gamins. C'est pourquoi le Seigneur envoie une puissance également pour ceux qui n'ont pas cru à la vérité, pour qu'ils croient vos mensonges. Beaucoup croient vos mensonges. C'est pourquoi tu peux bien parler. Ils vont te dire qui a écrit la Bible. Ils vont te dire je ne veux pas ton évangile. Ils vont te dire je veux rester avec la sœur. Voilà, parce qu'ils sont égarés. Mais Jésus, par sa compassion, quelqu'un comme le bon berger, lui qui a le bateau de commandement, est en train de passer dans les cœurs, dans les rues. Pour ramener ses brebis à la bergerie. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, cette brebis-là, mais le Seigneur te connaît là où tu es, et le Seigneur veut te ramener. Peut-être que tu es assis dans ta voiture, à te l'écouter, écouter pour nous, à te l'écouter, mais la parole est l'une de Dieu, ne viendra jamais sans d'ailleurs, et ses côtés. La parole est quand tu nous plantes, le Seigneur a toujours. De répondre le plus sur son peuple. Et c'est ce qu'il fait en ce jour. Le Seigneur répond le plus sur la Caraïbe. Le plus sur la Caraïbe. Afin que les hommes passent de ténèbres à son admirable bien. De la mort à la vie. L'argent peut qu'elle fasse le ciel. Hein? L'argent qu'elle servit pour qui ça? Pour acheter 100 taillards. Pour péter ça dans l'enfer après. Mais pour qui ça? Pour Dieu qui a dit aujourd'hui là. Il partit, mes amis. De la fraude. Du sexe, de l'idolâtrie, de la pornographie,
la masturbation, l'avortement, le mensonge. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de lever la tête au ciel et de regarder à Jésus. Parce que Jésus est la vie. Et vit la fin de nous. A été affaibli. A été soigné à Dieu. A été sur le péché, mes amis. Après la mort, à partir d'elle. Après la mort, c'est le jugement de Dieu. Après la mort, c'est le jugement de Dieu. Et bien, Dieu, mes amis, by Amao, by Villao, il est restauré. Il est dans la nuit. Guadeloupe, il est la nuit de Dieu. Le Seigneur veut vous sauver. Sortez du péché, Guadeloupe. Sors de l'adultère. Sortez du carnaval là. Sortez du zouk. La Bible dit que le salaire du péché, c'est l'enfer. Mais le Seigneur a donné un temps aux hommes. Pour dire dans un temps pour vivre. Pourquoi tu es là, mon Dieu, tu là? Pour ces zèbres, pour ces hommes. Vous c'est bat douce, vous c'est adultère. Guadeloupe, réveille-toi Guadeloupe. Arrête tu es autre. En Guadeloupe, c'est meurtre, tu meurs. Donc quand tu es autre, en l'homme est un enfer. En l'homme, Guadeloupe est un enfer, royaume. Sentir péché la Guadeloupe. Sentir pornographie. Sentir masturbation, porno. Sentir du péché. L'heure est venue où la parole du Seigneur est prêchée. C'est pas pour les talents, c'est pas pour les danses. Hein? Le diable vous domine, le diable vous détruit. Et le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour sauver les pécheurs. Avant tes péchés aussi. On t'a dans l'adultère, on t'a dans la douce, on t'a dans coup de carnaval. On a des gros dans le péché. Mais la vraie puissance à mon Dieu, lorsque la puissance de Jésus a touché mon cœur, il m'a racheté. Et le Seigneur va te racheter, Guadeloupe, parce que tu souffres. Guadeloupe a souffert. Quel état la Guadeloupe? Fais des rois, t'aider en l'air. J'en tout oublié, Guadeloupe. Dans le péché. Et le Seigneur Jésus, dans sa parole, qui est la Bible, annonce aux hommes qu'ils ont à se repentir. Tu dois te repentir. Réveille-toi, entier. Ça va envoyer le diable. Pas mis le temps. J'ai un bloc à pousser pour le payer. À joyeux entre eux. Coup physique, coup couteau. Quel état le monde? Pas million pour attraper l'homme. Hein? Et le Seigneur va vous sauver. Bon Dieu qui a choisi la toiture dans les îles. Bon Dieu qui a choisi la toiture dans les familles. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de vous repentir. Parce que la colère de Dieu est déjà là. L'épée de Dieu est déjà sortie de son fourreau. Il ne rentrera plus. Nous allons vivre des temps difficiles. Des temps difficiles. Le monde va vivre des temps difficiles. Des temps d'angoisse. C'est pourquoi il t'ordonne. Le Seigneur ordonne à ses envoyés, ses ouvriers de Dieu. Allez et de crier à la repentance. Tu dis au peuple, non, arrêtez avec le péché. Ça suffit. Dans les pieds de Dieu est sorti de son fourreau. Toi, femme, qui a toujours tendance à te dire je suis pour ton mi-temps. Tu es pour ton mi-temps de rien du tout. Parce que tu ne gères rien du tout. Il faut savoir que le Seigneur, il a d'abord créé Adam. Et ensuite, il a créé Ève pour être une aide à Adam. Toi, à la maison, tu as besoin de porter la culotte et tu ne respectes pas ton mari. Il est temps que tu respectes ton mari. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Si tu entends cette parole en ce matin,
saisis-la. Et puis, habille-toi aussi convenablement. Tu as toujours ton ventre dehors. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Ton ventre est toujours dehors. Tu te vois pour une petite jeunesse. Même les jeunes, parfois, ils sont mieux habillés que toi. Ton enfant après va te refléter. Est-ce que tu sais ça? Que ton enfant va te refléter. Et c'est le temps de faire la paix avec ton Créateur, mon ami. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'humanité va être jugée à cause de ses péchés. Car l'homme a préféré le sexe. L'homme a préféré la drogue. L'homme a préféré les petites copines au Créateur qui vit éternellement. Regardez, balle l'auto tout côté Guadeloupe. Balle l'auto. Mais tu vas en mort. Quand on calme, et puis cercueil t'as au cas où là, mes amis. C'est le temps de chercher ton Créateur. Car nous sommes au temps de la fin, monsieur. Que tu sois directeur, que tu sois mon ami encadrant, que tu sois PDG mon ami, devant la mort, tu es comme poussière et il te faut crier à ton Créateur pour être sauvé. Il minuit à l'oreille de Dieu. Oui, toujours. Cherchez toujours. Amusez toujours. Bon, tu sais qu'à parler, mais vous ne pouvez pas l'écouter. Il se fait de lui. À minuit. Nous avons présenté un vaccin. Mais à minuit, nous allons tout voir sur les bouts. Allez à sa rencontre. Allez vers mon Dieu. Allez vers mon Dieu. Bon Dieu qui a crié à la repentance. Bon Dieu qui a crié à la repentance. Il dit celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Bon Dieu qui a ouvert. Je ne sais pas vous lesquels sont la fin, mes amis. Je ne vais pas aller par les mots. Jésus revient. Venez à Jésus. Venez à la vérité. Le Seigneur Jésus t'aime. Il veut sauver ton âme. Haïti, Guadeloupe, dans ta chambre, priez Jésus. Le jugement arrive. Arrêtez carnaval. Tout ça que diable à Amazon, je vais mettre un diable. Ma chambre à cela. Tout ça est diabolique, je vais mettre. Et on a pleuré, la diable a fait pesante. Priez le Seigneur. Mais dis-moi de ok, via. On parle pas religion, pas religion. Là, pour tout ce qui est mort, on était l'ox. On dit l'ox, hein? On était qui l'ox? Qui zano? Qui juré? Qui adulté? Je l'ai maillé. Et en fidèle. Et vous, est-ce fidèle vous? Est-ce vous fidèle au Lopéen? Levez-moi. Levez-moi, est-ce vous fidèle? Je réveille vers ça, madame. Et il dit quoi, Jésus? Tu ne convoiteras pas. Donc t'as eu, hein? Continuez, oui. Je sens peut-être blagué. Parole pourrie. A qui bite tes excusez-moi. A qui bite tes bêtes. Fais mon riz. Fais un geste macaque. Mille états peuvent placer. Mille états Guadeloupe. Qui j'en sauver pour te sauver les autres? Avec le péché. Il faut laisser le péché. Et prier le Seigneur. Avec un cœur sincère. Repentez-vous et convertissez-vous. Bon Dieu ne veut pas oublier le temps de la fin jugement. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. La terre qui a vu vos chaos mondial et la terre qui a donné délivrance. C'est pour ça qu'il y aurait mis le règne de l'Antichrist. Mes amis, vous pouvez poser pourquoi. Pourquoi beaucoup d'assemblées, beaucoup de religions qui font. D'abord des cartes de membres, le contrôle. Ça doit toujours me contrôler. Mais Jésus quand même vous libre, la vie de vie, c'est plus même vous libre. Et Jésus veut libérer de la religion de là. Jésus vient pour, comme la lumière du monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui marchent selon leur convoitise, parce que l'homme paraît juste à ses propres voies. Mais le signe de leur voix, c'est la mort. Mais Jésus vit pour la vie. Et pour la vie en abondance. Il est temps de revenir à ton Créateur, celui qui t'a créé. Et non pas les bing-bang, comme les scientifiques veulent faire croire. Ou est-ce que vous avez déjà vu qu'une explosion peut créer quelque chose?
une explosion, ça détruit. Une explosion détruit. Mais toi-même aussi, mais réfléchis un peu. Tu sais pas quoi tout ce que tu dis, mais il faut que tu arrêtes. Arrêtons, arrêtons avec les bêtises. Vous avez un peu d'intelligence quand même. Il n'y a pas besoin de vous dire ça. Et puis d'où tu descends du singe? On dit l'homme descend du singe. D'où tu descends du singe? Il est écrit dans la parole que l'homme a autorité sur les animaux et le singe c'est un animal. D'où tu descends du singe? Alors que tu as autorité sur les animaux, commence à ouvrir la Bible. Commence à lire. Commence à lire afin d'ouvrir ton intelligence. Commence à lire la Bible. Jean chapitre 1 verset 11. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Acte 4, verset 11. Les Béréens. Acte 4, verset 11. Il y a un autre autre que salut. Alléluia. Aucun autre qui peut donner Jésus. Amen. Donc c'est le nom de Jésus qui sera. Oui, le nom de Jésus. C'est le Jésus qui sera glorifié, sera loué. Et bientôt, tout, il est tout près de nous là. Amen, amen. Quand il reviendra, c'est moi, j'ai reçu la mission que je vois qu'ensemble, que Jésus revient et parmi ses enfants. Wow. Thessaloniciens 4, verset 13. Au son de la trompette. Ouais, 16. Ouais, au son de la trompette. Au son de la trompette. Mais tu sais que des versets que je connais. C'est bien. Et c'est dans le verset 13. Au son de la trompette. Quand il reviendra. Premièrement, les morts qui se susciteront. Et deuxièmement, pour les morts, ceux qui sont restés dans la tombe. Oh, les morts qui vont monter avec. Amen. Et premièrement. Premièrement, madame. Jean 8:32. Que là-bas. Vous connaîtrez la vérité, la vérité. Vous affranchira. Amen. Ouais, en tout cas, madame, garde tout ce que tu as récité là. Garde-le dans ton cœur. Amen. On va se retrouver au ciel. Ouais. Amen. Bientôt. Amen, Jésus, madame, courage. Le Seigneur Jésus revient. Bon Dieu veut sauver Amao. Sors du péché, Guadeloupéen. Sors du péché, Guadeloupe. Sors du péché. Le péché t'amène à l'enfer. Repentez-vous de la masturbation. Sortez des films porno. Sortez du péché. Sortez du péché de le Père. Le péché vous condamne. Le péché t'amène à l'enfer. Sors de la masturbation. Sortez la masturbation là. Acceptez Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Nous sommes à la fin des temps, Guadeloupéens. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Accepte l'évangile. Le Seigneur est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Jésus est mort sur la croix pour sauver les blancs, les noirs, les arabes. Jésus revient. Sors de la fornication. Repends-toi, Guadeloupéens. Jésus est la vie. Jésus revient. Repentez-vous du péché. Sortez ces blagues. Alcool, porno, viol, inceste. Nous sommes à la fin. Bon Dieu me sauve. Bon Dieu mes hommes. Repentez-vous, Guadeloupéens. Thank you.
Thank you.